C'est juste ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review aujourd'hui. Donc, cette review est sur le set 6333, la moto baignoire. Donc, voilà, cette moto, justement, on va en faire le tour vite fait et on commence rapidement avec la figurine. Ici, vous savez, la figurine du conducteur de cette moto. On peut imaginer, c'est quelqu'un qui adore prendre des bains. On a effectivement donc la chevelure de Tony dans Marvel. On a une tête qui est loin d'être inédite. Un torse qui est inédit. Et les jambes, on le retrouve forcément dans les figurines type plage. En accessoire, vous aurez un casque donc de natation avec les lunettes, etc. Vous aurez aussi le gilet de sauvetage de couleur orange. Voilà, nouvelle génération, bien évidemment. Vous aurez ensuite, en deuxième impression de tête, effectivement, cette expression faciale où il a envie de vomir. Et là, du torse, un tatouage de type j'adore les coin-coin. Voilà. Et voilà à quoi ressemble notre figurine avec tous ses accessoires enfilés. Donc maintenant qu'on a vu la figurine, on va pouvoir s'attaquer à la moto. Pour le coup, c'est assez simple. Voilà, la pièce de baignoire qui a été faite exclusivement pour ça. On a ici le robinet de couleur dorée, le petit canard pour la déco, le guidon histoire de conduire. On a évidemment le moule qui va être la seule et unique figurine. Oh. La seule et unique fonctionnalité du set. Voilà, c'est de faire des cascades comme ceci, vous voyez. Ouais. Voilà, on peut voir que ça part loin. Franchement, non, ce sont de bonnes motos juste pour ça. Et non, franchement, voilà. Elle est plutôt pas mal, l'impression est assez cool. Là, franchement, on est en face d'une bonne, ici, moto. Et c'est surtout une moto des plus phares. Une des motos les plus phares, pardon. Puisque bah, c'est une moto qui est assez loufoque. Hein, ici, on a une baignoire. Avec un canard en flamme, voilà, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Et juste pour ça, voilà, c'est juste incroyable. La figurine est aussi très loufoque, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, à peu près tout, hein, aussi pour ce set. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous en fais une chaque année normalement de ce genre de moto. Donc voilà, bah, du coup, c'était MCR, qui vous dit bye bye.